La tournée légende, je pense que ça va changer de quoi dans le monde de l'humour. Parce que veux pas. Nous autres, on arrive avec 50 ans d'expérience en musique. On a révolutionné un art, là. On a pensé qu'un artiste a le droit d'élargir son champ. Donné, on se rend compte qu'ils ont le cul à l'air. Qu'ils fassent l'humour, ça m'étonne pas parce que c'est des gars qui ont pris beaucoup de risques dans leur carrière, qui ont changé plein de choses. Mais ça te fait peur. Mais j'ai peur de pas aimer ça. J'ai peur qu'ils soient pas bons. Il y a des pépés nazis, C'est pas drôle, là. C'est sûr, je te mentirais pas que l'humour m'a quand même donné au moins un épaule et demi plus raide que d'habitude. Puis ça, c'est... ça va chercher quelque chose que le rock est pas capable d'aller chercher. Easy, facile. Comme d'habitude. Paul, c'est un gars qui a besoin de moi, tu sais. Puis moi, c'est pour l'aider que je fais ça, tu sais. De toute façon, le showbiz, là, au complet, c'est du mensonge. Tout. Tony a eu raison. Et Paul l'a admis. C'était tellement hot. Je veux dire, on vient de faire, je pense, ce qui s'apparente à être un des meilleurs shows d'humour qui a été fait, je pense. Puis, oui, oui, mais on était sur un show d'humour. C'était en feu, je pense, de tout pogner ça. Paul, c'était un gars bien up and down. Tu sais, tu le pognes une journée, capote ses mangues, le lendemain, il se souvient plus c'est quoi. T'sais. Fait que c'est sûr que moi, j'essayais d'amener ça doucement, l'humour. Ça fait quand même plusieurs années là, qu'on s'est colissé le pied là, tu sais. C'est quoi, là? Non, mais dis-moi, là, toi, c'est comme si t'essayais aussi de matcher avec ta cousine toute la journée. Puis du moment que je couche avec, t'es en tabarnak. Hey, oui, je t'ai demandé de coucher avec, pas de la marier, mon chum. C'est ça, la différence. J'ai fait un petit massage, deux petits becs de le coup. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est parfait, ça. Ça, j'ai pas de problème. Mais là, le week-end est fini, faut que tu retournes à la maison. J'ai même pas rentré de doigt nulle part. C'est juste que je comprends pas. Tout à l'heure, tu voulais rien savoir de même dire en mensonge qu'on faisait de l'humour. Puis là, tout à coup, tu vas en faire pour vrai, tabarnak. C'est ça, tu me dis, là? Bon, monsieur accepte pas que les gens puissent changer d'idée. Cette chamaillerie entre Tony et Paul était saine. Sur quelqu'un, un observateur va dire, mais ces deux gars-là s'aiment pas. Ils s'adoraient. C'était comme ma chanson, je t'aime puis je te veux, je t'aime puis je t'en veux. OK, fuck that. Le show qu'on vient de faire, c'était le meilleur show au monde. C'est écoute, bon, c'est, bon. C'est le meilleur show d'humour, moi, que j'ai vu de toute ma vie. L'humour qu'on fait, je pense, c'est dans notre ADN, c'est dans le fond, c'est dans notre creux depuis longtemps. Fait à partir de maintenant, c'est l'humour, guys. On en a parlé, on en parle tout le temps. Eh bien, après tout ça, que dire de plus? Sinon que Sexe illégal est en tournée mondiale, une tournée universelle. La gang du Saguenay, du monde de Brossard, Boucherville, Saint-Jérôme, Rome, Lutèce, Saint-Pétersbourg. Chris, on va être des légendes, bah, des fucking légendes, man. Paul, on est déjà des légendes. Je leur souhaite de continuer à être sur la scène, ce qu'ils ont toujours été, dans la vie, authentique, foudroyant, dévastateur, ravageur et d'une sainteté perverse. Bonne tournée, Sexe illégal. Chris, on va être des légendes en humour, on va être des double legends, tout le temps. Cool, ça, je peux embarquer là-dedans, ça. Ça, c'est comme... Hey, attends-moi, là. Hey, je peux pas essayer avec le monde que je connais pas, là. Je sais que j'aime pas ça et tout ça. Legend!